Ouais, un mur modeste côté croate et le ballon qui est parti au niveau de la surface. Le but pour l'équipe de France. Yes. Magnifique but. Et encore une fois, c'est venu d'un coup franc à 25 mètres sur la droite. Le ballon caressé par Griezmann et qui est envoyé dans la surface côté opposé et qui est allé filer dans le but de Subasic. À ce ballon merveilleux de Griezmann, la frappe déviée me semble-t-il par un joueur croate. Il est possible que ce soit Mandzukic qui ait dévié ce ballon dans son propre but. Et bien voilà, l'équipe de France a décollé. On l'a pensé mal en point, on l'a pensé mal mené. Les Bleus ouvrent le score dans cette finale de Coupe du Monde, 1-0. Ah, superbe là pour les Français qui ont été près du poteau de corner, tous se regrouper. Didier Deschamps qui leur dit allez, allez, on ne lâche pas, on ne lâche pas, les points serrés. Le premier but de cette finale pour l'équipe de France, alors qu'ils étaient, on disait, un peu ballottés. Samuel Umtiti qui fait des signes rageurs. Ouais, Modric sur le côté droit, peut-être Lucas Hernandez maintenant qui revient dans la surface de réparation, premier poteau, attention, un ballon qui est toujours flottant, il faut dégager, il va peut-être pouvoir frapper, Perisic, il va frapper, c'est l'égalisation de Perisic, on vous l'avait dit, un coup de pied arrêté, ça peut faire mal, on a eu un but sur coup de pied arrêté du côté de l'équipe de France, et bien l'égalisation tout aussi flamboyante, si je puis dire, de l'équipe croate avec Perisic qui a eu le temps d'armer et qui a décalé sur le côté gauche alors qu'il y a eu au départ une fin de frappe de l'intenable Modric. Perisic qui était le héros des demi-finales face sur puis égalisateur qui est en train de devenir le héros de cette finale. Un magnifique ballon qui a été joué en 3-4 temps, un ballon frappé très loin par Modric à l'extérieur de la surface de réparation côté droit. Et par deux têtes consécutives, les Croates ont ramené le ballon au cœur de la surface de réparation. Ballon qui revient dans les pieds de Perisic. Perisic qui fait mine de frapper, qui se décale finalement pour ajuster du pied gauche. C'est le but le plus important à marquer de sa vie. Antoine Griezmann, finale de la Coupe du Monde. Il va s'élancer dans un instant. Il y a Subasic également qui est là dans les buts. C'est parti, Trompadé là. Et le but. Le but de l'équipe de France. Le deuxième but marqué par qui? Il a marqué pour les Bleus, 2-1 pour l'équipe de France qui reprend l'avantage dans cette finale de la Coupe du Monde. Ballon frappé ras du sol sur la droite de Subasic qui avait choisi le mauvais côté. Et dans le même temps, on a vu tout le banc français, les remplaçants se lever, entrer quasiment, même pas quasiment, entrer sur le terrain pour célébrer ce but. Les Bleus qui s'en sont tous réunis autour d'Antoine Griezmann qui a célébré son but avec cette fameuse danse, pas forcément esthétique, mais on lui pardonnera. Les Bleus ont pris l'ascendant, prennent de nouveau l'ascendant dans ce match, finale de la Coupe du Monde, France 2, Croatie 1, et c'est pas fini. Les Croates, pour la deuxième fois dans ce match, forcés de redonner le coup d'envoi après avoir pris un but. Allons pour Mbappé, oui. C'est peut-être maintenant Kylian Mbappé. Oh oui, sur le côté droit, près de la surface de réparation, mais il est au basque. Eh bien, joueur croate, allez toujours Mbappé dans la surface de réparation. Le pied droit peut-être. Oh, il va c'est sublime. Pour Griezmann, superbe, qui est but, qui remet derrière un peu mal la frappe. Elle a été contrée. C'est pas fini. Le but. Le troisième, l'explosion, l'extase, la joie, la France, ensemble, 3 buts à 1 pour Pogba. Magnifique but de Pogba sur un travail exceptionnel de Kylian Mbappé. Mbappé qui envoie énormément de vitesse sur le côté droit, qui redonne ce ballon. Griezmann qui donne derrière, frappe de Pogba, contrée, mais il a suivi Paul Pogba et il enchaîne sur une deuxième frappe qui va rentrer. Et c'est tout le banc français qui s'est levé, qui est entré sur le terrain et qui est allé célébrer Paul Pogba. Ils se sont entassés les uns sur les autres au niveau du poteau de corner. Les Bleus qui sont encore en train d'embrasser Paul Pogba. La rage du milieu de terrain français. Finale de Coupe du Monde. 3 pour la France, 1 pour la Croatie. Le break est fait. Les Croates restent debout. Mais la France est toute proche maintenant de l'éternité, à 30 minutes de la fin. Paul Pogba qui enlace Samuel Umtiti et qui se fend d'une petite danse, le poing serré, rageur, les yeux exorbités.
avec Zonzi. On ne prend pas de risque côté français. On a deux buts d'avance. Il faut tenir maintenant. Et Lucas Hernandez qui se projette, qui passe un joueur, qui va essayer de donner ce ballon à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va frapper et qui va marquer. Oh, c'est extraordinaire. Oh là là, les Français vont aller la chercher. Ils vont aller gagner cette Coupe du Monde. Ils vont aller soulever ce trophée grâce au jeune Kylian Mbappé. Notre Ronaldo à nous, notre Messi à nous. Il est en train de frapper, de marquer un énorme coup dans cette Coupe du Monde. Finale de la Coupe du Monde. Il n'a que 19 ans. Et comme Pelé, il est au rendez-vous. C'est le joueur, le troisième joueur le plus jeune de l'histoire. Et bien voilà, il va peut-être soulever ce trophée. Les Français n'ont pas fait le break, ils ont fait plus. Ils se sont approchés à quelques centimètres de ce trophée, de cette deuxième étoile. Ah, quel scénario incroyable. Là, les Croates sont à terre. Les Croates sont KO. C'est énorme ce que vient de faire Kylian Mbappé, cette frappe lointaine, intérieure, pied gauche. 4-1, ouais, il faut le dire. Le scénario du match, voilà, leur a été très défavorable. Très défavorable, mais au moins pour notre performance, c'est mieux qu'on marque des buts dans le jeu et qu'ils ne répondent qu'à notre propre talent. Oh, le but croate, et voilà le grand risque. Voilà Lloris qui a le ballon dans les pieds, qui veut dribbler son vis-à-vis et qui se fait avoir. Il a fauté Hugo Lloris, Mandzukic qui était là et qui lui a piqué le ballon. Et au moment où Lloris a pris le but, il faut que vous imaginiez Paul Pogba, les genoux à terre, martelant le sol des deux mains dans une rage absolue. C'est exactement ça que les Bleus voulaient éviter. Prendre le large, croire que c'est acquis et derrière se faire piéger par suffisance. C'est ce qui vient de se passer. Lloris fait l'erreur face à face avec Mandzukic. Il veut dribbler, il veut garder, il se fait avoir. La France est toujours devant, mais le match promet d'être encore fou. 4-2 désormais. Ah, c'est fou parce que Hugo Lloris a été exceptionnel. Exceptionnel tout au long de cette Coupe du Monde. Et là, en finale, il fait l'erreur de débutant. L'erreur qu'il a pu faire à Simier sur les hauteurs de Nice quand il était jeune et qu'il hésitait entre le tennis et le football. Et ben voilà, mais c'est un super capitaine. 2 buts d'avance pour les Français. Ben ça va peut-être avoir le mérite de les remettre dans ce match et dans cette finale. Rien n'est fait face aux Croates dans le football. Il n'y a pas que le Barça qui peut revenir dans cette phase de réparation. Un ballon flottant.